Mon Ah, t'as Dieu. refait là aussi. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Ah, mais t'as bien bossé, dis Mais donc. oui, je bosse, je bosse. Bonjour à tous! Non! Salut. Ah, paf. Bon. Bienvenue, épisode 3, déjà. Ouais, ça passe vite, hein. Et un épisode par semaine, jusque-là, je m'y tiens, hein. Enfin, je Ouais, dis c'est je m'y tiens, cool. mais on s'y tient. C'est bien, il y a du progrès. Et puis là, on est matinal ce matin. Absolument, ouais. Parce que vous qui Hein. nous regardez, en fait, il est 8h20 du matin et on est déjà debout en train de travailler. On est des fous. Oui, je me plaindrai à mon syndicat. Enfin bon, mais voilà, du coup, 6-4 me dit que j'ai bien bossé. Alors j'ai bien bossé, ouais! J'ai complété la façade là, il faudra juste que je refasse le toit parce qu'en fait il y a une rangée de. Il y a une rangée de trucs qui manquent encore sur l'extérieur. Une rangée rouge. Si on regarde de Oui, l'autre côté. comme Ouais. j'avais fait la dernière fois. Vie, et c'est plus joli avec. Voilà. Mais ça a aussi été fini de ce côté-là, donc. Comme ça les gens vous pouvez voir. Il faudra que je regarde pour mettre ces petites piques là un peu partout. Les trucs qui dépassent, je trouve que c'est chouette, ça donne un peu de relief. J'en ai mis juste ici seulement, pour l'instant. Et voilà, puis du coup dedans ça grandit aussi. Ah, je vais peut-être pas garder le laser dans la main par contre parce que sinon on va avoir des petites surprises. Ouais, hein. Mais voilà, il y a des étages qui ont poussé entre-temps aussi. Bon, c'était assez vite fait, c'était juste la pose de bloc. Mais voilà, avec des petites fenêtres pour guigner, pour voir si, pour voir qui c'est qui arrive à la maison. J'ai pas de quoi faire mon toit en fait. Ah oui, puis là un jour il y aura une cage d'escalier. Pour l'instant, il y a juste un trou. Un gros trou. Bref. La maison avance, la maison avance. Il pleut, il Ouais. pleut. Puis sinon, qu'est-ce que t'as fait toi, 6-4 pendant ce temps? Pendant que je me. Hein? Pendant que je faisais ma maison. Vas-y, montre-nous, montre-nous. Alors, allez, je vous montre. Allez, suivez-moi. Donc, oh, un joli chemin déjà. Qui sent la noisette? Ok, et oh, qu'est-ce qu'on en... On arrive sur quoi? Un magnifique pont. Yeah! Voilà mon super pont, trop beau. Hihi, T'as vu? avec bien sûr un petit bouquet de fleurs au milieu. Oui, alors pourquoi? Ah, ça, oui, j'ai pas expliqué, c'est vrai. Donc, du coup, bah, depuis la dernière fois, j'ai encore fait quelques petites modifications sur le serveur. Et notamment, donc, bah, déjà, j'ai rajouté le weather pack, ce qui donne la pluie et le beau temps. Et la neige aussi. Bon, Pas avant. en fait, la traduction c'est il pleut tout le temps pour l'instant, mais. Oui, bon, hein. Voilà. Et aussi, j'ai rajouté donc. Alors, en parallèle, je développe en fait actuellement deux modes qui s'appellent More Flowers et More Farming. D'ailleurs, j'avais publié une vidéo à ce sujet-là, donc vous trouverez sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et donc, du coup, bah, je les ai intégrés sur le serveur également parce que bah, voilà, je trouvais que c'était sympa de faire ça. Et donc, voilà. Donc, bah, du coup, en résultat, le mode de More Flowers, en fait, il nous permet. Bon, outre que il rajoute quelques fleurs en plus, comme la carotte sauvage et l'ancêtre du maïs qui s'appelle le théosinte, ben aussi on peut faire j'ai un craft de bouquet de fleurs. Voilà. Donc on peut aller cueillir des fleurs maintenant et faire des bouquets de fleurs Ouais. qu'on peut s'offrir, etc. Et voilà, là ça permet de décorer les choses encore un petit peu plus, quoi. Ouais. Bah c'est cool. Ben ouais. Et un truc aussi, ah oui, alors le mode de More Farming, je l'ai fait aussi parce qu'il améliore grandement en fait la compatibilité entre Medroid et Farming Redo. Ce qui fait que la dernière fois on avait vu que Medroid en fait fonctionnait pas bien avec Farming Redo. Mais maintenant c'est réglé, ça marche. Voilà, je suis trop content aussi. Donc elle est capable de récolter, voilà, de récolter et de replanter. Tous les légumes de Farming Redo. Voilà. Yeah! Voilà, puis de l'autre côté, du coup, on a une autre qui travaille. Ouais. Donc là, j'ai fait une monoculture de maïs, en fait. C'est pas bien la monoculture! Bouh! Voilà. Et on peut voir qu'en fait, c'est ultra efficace parce que là, si je regarde son inventaire, voilà, elle est déjà à plusieurs stacks de plein. Hé hé hé! Donc c'est vraiment, c'est ultra productif, en fait, plus que ce que je pensais.
Donc bah, c'est plutôt cool quoi. Du coup, nous on n'a pas trop à travailler en fait pour le jardin. On lui donne le travail, elle fait tout et nous on fait que les récupérer. En fait, c'est de l'exploitation à l'état pur, quoi. Ah ouais, complètement, l'esclavage. Ouais. Voilà, après il reste encore quelques petites incompatibilités. Tous les légumes ne sont pas pris en charge. Il y a tout ce qui est melon, et aussi haricots, parce que c'est un peu spécifique, il faut planter ça avec des tuteurs, etc. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore implémenté. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais enfin, c'est pas pour l'instant, ça va. C'est déjà quand même. Ça, d'où ça en est, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début, tout à fait. C'est Voilà. cool. Ouais, Ouais. je suis content. Hop, y a mon pot de fleurs là. Ah, au fait, un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai réactivé le feu. On va faire attention cette fois-ci. Ah, donc le feu maintenant il rebrûle. Ouais, tu me suis dit. C'est pour ça que quand je suis allé sur une flamme tout à l'heure, ça a fait vlouf, puis j'ai pris 10 points de dégâts d'un coup. Ah, peut-être. Ah, je sais pas si ça a activé ça, ouais. Ah, alors je sais pas si. Non, mais je crois que c'est juste la propagation qui était désactivée. Par Ouais, contre, c'est ça que j'ai réactivé, t'avais parlé ouais. d'éventuels orages. C'est toujours d'actualité ça? Bah oui, toujours, hein. Et les éclairs, ils peuvent démolir. Ils peuvent foutre le feu ou pas? Bah oui. Comment dire? Moi j'aime bien la maison comme elle est là. J'ai pas envie qu'elle Non, brûle. mais je pense que quand même c'est fait pour pas que ça foute tout en l'air à chaque fois, sinon t'imagines. Alors, la Mais bon. propagation du feu dans Minetest, c'est tu allumes, tu mets une petite brindille allumée dans une forêt, 1 heure après, t'as 150 millions de blocs qui sont en train de brûler, hein. Ça va T'es très réaliste à moi. vite. Ça va très vite. Alors fais des backups de la map. Je veux pas qu'elle Bah brûle. y en a un chaque jour qui est fait. Mais écoute, on va voir. Hein. Franchement, si jamais au pire je le désactiverai si vraiment ça pose trop de problèmes. Mais bon voilà, j'avais envie d'un peu plus de réalisme. Donc bon. Oui, alors là ce sera trop réaliste. Ok. Au passage, je voulais passer un petit coucou à JP pour son petit commentaire qu'il nous a laissé sur la vidéo par rapport aux tables d'enchantement. Yeah. Hein, voilà où il nous expliquait que bah, si on voulait un fonctionnement peut-être un petit peu plus calme, enfin fort, on pouvait changer quelques valeurs dans le mode directement. Donc bah, merci pour cette info. Coucou JP, voilà. Et donc bon pour l'instant j'ai pas fait de modification, je sais pas si je vais le faire. Voilà, moi j'ai déjà enchanté là quelques. Donc la pioche. L'appel, voilà, j'aurais rajouté une durabilité de 20%. Moi pour l'instant ça me convient. Voilà. Yeah. Bah, il y avait l'histoire des bottes de vitesse quand même. Ouais. Parce qu'on a l'enchant, mais en fait c'est plus. Genre plus 5%, j'ai vu quelqu'un me donner le chiffre. Ah. Ou plus 3%. Oui, j'ai vu le chiffre sur l'IRC. IRC doit être MFF qui m'a donné ça. Donc c'est tellement faible en fait que tu vois pas la différence tant que t'as pas fait 50 000 blocs. C'est pour ça qu'on a rien vu en faisant le petit test en express. Voilà, boum. Puis il faudra absolument qu'on fasse aussi du cache-misère autour de notre maisonnette. Qu'on mette un peu des buissons, des machins, des trucs qui poussent. Ça fera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Et ça intégrera tout ça dans le décor. Yeah! Escalier là qui. Hein? J'aimerais bien faire un escalier là pour. Ah, mais t'as commencé. Faire un escalier. Attends, attends. Enfin. Ah, ça c'est juste. Oui, ça c'est juste pour accéder pour l'instant, mais c'est provisoire. Ouais, en fait. Bien sûr, Marc, je peux faire ça. Ah non, ne fais pas ça. Non, tu veux pas d'escalier? Je dis ça, je ne vois pas ce que tu fais donc, hein. Ok. Tiens, les stairs ne sont toujours pas les mêmes. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, comme ça marche pas. Si je mets avec la. Voilà. Avec la touche majuscule, c'est beaucoup mieux. Ici, il va falloir que je fasse comme ça. Tac. Ah, mais il est en bas. Nope. Il faut que les pangolins se réveillent. Bon, j'ai posé mon toit. Yeah!
Faudra encore faire des trous dans ce toit aussi, enfin des trous, des réparations, des irrégularités, des machins de ce Ah genre. oui, voilà. Le rendre usé. Alors, Syscat me demande des coups de fouet. Voilà, vous saurez, les gens, je suis innocent, hein. Ah non! S'il reçoit des coups de fouet, c'est pas ma faute, c'est Pourquoi lui je qui m'a fais demandé. ça? Facile de dire les choses hors contexte, hein, comme ça Bah ouais, absolument. Il va deux coups de fouet, il va deux coups de fouet, il va avoir deux coups de fouet. Miam miam, coup de fouet. qu'est-ce qu'on se marre? Eh, c'est vrai, à chaque fois, moi j'ai. Hein, ce que. Ta. Je me faisais la réflexion. Yeah. Je me faisais la réflexion la dernière fois parce que je me faisais un record un petit peu tout seul là, la dernière fois. Et je trouvais que une fois que je regardais une fois fait, mais putain c'est vachement moins marrant quand même. Mais c'est vrai que tout de suite, dès qu'on est à deux, c'est autre chose quoi. Ça, je trouve que c'est ce qui fait peut-être un petit peu, qui fait que cette série. Enfin, j'espère que c'est pour ça que vous appréciez d'ailleurs la série. On espère que vous appréciez la série pour commencer. Oui, bon, mais je pense que oui, on a eu quand même quelques retours positifs hein, depuis. Hein. Oui, merci, merci. D'ailleurs, merci pour ça. Mais après, n'hésitez pas, oui, à mettre en commentaire ce qui est en fait le plus dans la série. Et, bah, les vannes qu'on s'envoie sans cesse avec Cyberpangolin, si c'est parce que ce qu'on raconte est intéressant, ou voilà, je sais pas, voilà. Mais dites-nous hein, pour qu'on avance dans la bonne direction, voilà. Et pour changer, je crafte des trucs. Ah, il repleut, ça faisait longtemps. Ah, il pleut vraiment toutes les 10 minutes, hein. Toutes les 5 minutes, je sais pas trop. Il fait toujours moche. À part ça, je vais avoir cet escalier quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Hey! Ouais, mais c'est. C'est. Bon, là, je l'ai fait qu'en bois pour l'instant pour avoir une première structure. Ouais, t'avais pas Mais envie j'aime. qu'on descende plus bas? Enfin, je me Ben disais, tu vois, on peut faire toute une si. tour qui va jusqu'au tout au fond, quoi. Enfin. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais après. Tu veux une hache pour aller plus vite? Tiens, mon ami, prends une hache. Prends cette Non, mais hache! oui. Ah ouais? Bah, t'en as deux maintenant. T'en as une en mèze. Comme ça, t'as une hache de riche, pas une hache de pauvre. Parce que le bronze, c'est un métal de pauvre. N'empêche, c'est quand même. Ça va, hein. J'attends qu'il s'use avant de passer à. Bon, allez, moi je retourne à mon truc. Ah, mais je l'attendais celui-là. Et voilà le petit coup de fouet! Tu ne m'auras plus. Tu me rattraperas jamais, je cours bien trop vite. Oh non, je suis essoufflé! Le prendrai par surprise. Ah. J'ai cru que t'allais dire par derrière. Mais si c'est Non. par surprise, alors ça Enfin. va. J'ai la surprise très dilatée, ne t'inquiète pas. C'est Bon, horrible. bip, censuré. Hein? Vous n'avez rien entendu, c'est pas moi. C'est 6-4, il me manipule. C'est sa faute. On rappelle que ce sont des vidéos faites pour les mineurs. Hein. Oui, puisque nous travaillons à la mine. Voilà. Moi-même. Au secours! Bon. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais faire ici. Non, on a un petit pétard en caoutchouc. Un pétard en caoutchouc. What? Bon, déjà, alors il faut que je commence par soigner mon langage. Non, mais je viens de penser à un truc, c'est qu'en fait, je voulais faire un chausse-chouette bidule. Je me suis dit que ça pourrait être cool de rajouter des sauts de loup sur ce toit qui est gigantesque et complètement vide. Quel enthousiasme! Pas compris. Je m'attendais à un waouh, quelle bonne idée! J'étais concentré sur ce que je faisais en même temps, c'est pour ça. Mais et puis j'ai pas compris le mot, peut-être j'ai mal Un entendu. saut de loup. Ah, un saut de loup, d'accord. Enfin, des sauts de loup.
Ah, c'est les petites fenêtres qui ressortent là? Exactement. C'est ça là? Ouais, voilà. Ah, oui, bien sûr, oui. Et là, ça peut Pas être comme ça. super chouette là en haut. Je sais juste pas de quel côté. Oh, puis je crois qu'on va faire ça en timelapse, hein, y a pas de raison. Eh, hey, y a le feu! Comment ça, y a le feu? Y a le feu! C'est Arrive. Je veux voir ça. Ah, pimpon! Trop tard, c'est bon, j'ai éteint le feu. Alors, c'est ton bloc de charbon qui brûlait là, qui a mis le feu à l'arbre à côté. Et si tu regardes bien, l'arbre à côté, il est connecté à d'autres arbres à côté. Donc, on était à deux doigts de foutre le feu au serveur. Oups! Ben c'est bizarre parce que ça fait un moment que Ah, t'as il est là, il est là, il est le. là! Yeah! Crève! Non, 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 non! Trop tard. Bon, il a pété, mais il a pété loin de moi. Ça va. Pas de Ça dégâts. m'étonne quand même qu'il y ait. Bon, ok, Ah, ça il veut y a dire un que autre ça mob peut. là! Il y a un autre mob! Il y a un autre mob! D'accord, elle était facile, c'est bon. Non plus, moi, ce qui me fait tellement peur, c'est le jour où tu vas vouloir te venger, en fait. Ah, mais ça donne bien ce petit saut de loup. Qu'est-ce que t'en dis, Yves? Enfin, je sais pas si tu le vois depuis là où tu es en fait. Mais ça fait un petit plus. Alors voyons, oui, ah si, bah Dupont, voilà, on a une belle vue justement. Nickel, ouais, franchement, bien. Yeah! Ah, Ouais, elle est super bien fait. peut-être qu'on fera ça une fois de l'autre côté aussi. Ouais. Mais ouais. Et ce qui est cool avec cette maison, c'est que du coup elle est pas trop symétrique. Un peu quand même, mais pas trop. Ouais, faut pas que ce soit symétrique. Ouais. Par contre, maintenant, moi je vais m'attaquer un peu au. Ouh! Ah, ta barre de vie a disparu. Ok. Bonjour, au revoir. Je vais m'attaquer un peu à la déco de ce truc, parce que mine de rien, on pourrait faire pas mal de choses. Tac, on va mettre des petits buissons, du cache-misère. C'est Aurélien Sama qui serait content s'il nous voyait. Peut-être, va savoir en secret. Franchement, ce serait tellement cool. Ça ferait tellement plaisir, c'est débile, hein, mais vu que c'est Je grâce à. crois qu'il n'a pas le temps. Ouais, il regarde des vidéos de temps en temps, mais certainement pas les nôtres. Mais il est. Comment? Ouais. Je trouve que c'est tellement cool ce qu'il fait que. Oui, moi ça me ferait. Je serais en train de sauter de joie si je voyais un jour un commentaire de lui. Disant, hey, t'as. Ouais, ce que t'as fait, c'est pas mal. Même. Oh, ça c'est à chier. Ouais, c'est ça, exactement, parfaitement. Y a un 6-4 enfermé là-dedans. J'ai évidemment coupé le son, je l'ai enfermé. Hein? Y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas m'entendre manger du coup. T'entendre manger? Que vas-tu manger? Trop. De manger du jambon cru avec du pain. D'accord, si tu veux, y a pas de souci. Du jambon cru, pauvre jambon! Ouais. T'imagines?
Je m'étais acheté un quart de jambon cru et du coup. Tu vas le manger tout cru. Comme ça. Ouais. Et moi, j'arrive pas à faire moins de 40 minutes les épisodes à Bah, chaque fois. C'est vrai, tu peux déjà faire des montages de 20 minutes. Le problème de 40, à mon avis, c'est que tu. C'est qu'il y a trop, les gens ils ont pas envie de regarder autant. Mais après, ça c'est toi qui vois. il y a tellement de choses intéressantes que j'arrive pas à me résoudre à couper telle ou telle partie. Je me dis, putain, c'est trop dommage et tout. Ouais. Mais t'as raison, effectivement, hein, faut savoir s'arrêter à un moment donné. Ouais, Et ouais. oui. Ouais. Moi ce que je fais souvent Bon, c'est que. je. Oui, non. Oui. Oui. Mais je vais. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'avais coupé mon record du coup aussi. Ah! Au revoir le record! On va faire un au revoir quand même. Avant. Ouais! Yeah! Alors, au revoir! Oula! Au revoir. À bientôt! Mais ça veut pas dire qu'on va s'arrêter là, hein. Non, parce que nous, on est Pas des plus. fous et on va continuer pendant une dizaine d'heures. Je vous raconte pas. Bon, eh bien, au revoir, salut tout le À monde! bientôt!